Bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir Linda Touati, Linda qui est poétesse, auteur-compositeur de chansons. Linda, vous êtes née à Alger, bercée par le chabi, la musique algéroise et la variété française. Bilingue, birive, biculture, vous n'avez jamais compris pourquoi les frontières existent. Votre vie est une comédie musicale à la Judy Garland avec des sonorités de Fadela Ziria. Tout à fait. Linda, c'est important pour vous parce que c'est votre grand-mère qui vous a transmis cette passion pour le chant, car elle chantait aussi, mais de façon plus discrète. Linda, vous avez effectué toute votre scolarité à Alger, vous avez passé votre enfance et adolescente. Devenue médecin neurologue, vous êtes très appréciée de vos collègues, mais votre carrière de chanteuse a réellement démarré il y a une dizaine d'années après une rencontre avec Jamel Djenidi, qui a chanté Brassens en musique chaabi. Ce rapprochement avec les cobles arabo-andalouses qui a été une révélation pour vous. Vous dites vous-même, Linda, que vous êtes un mélange d'Edith Piaf et de Fadela Ziria. Vous avez d'ailleurs traduit et chanté l'hymne à l'amour en arabe. Tout à fait. Bonjour Linda. Bonjour. Alors Linda, qu'est-ce qu'on va écouter là comme chanson ? On va écouter des chansons issues de la pure tradition algéroise. La première. La première, c'est une chanson de Lynn Monti, Yarorbati, une chanson sur l'exil, en fait. C'est une chanson qui me tient vraiment à cœur, parce que quelque part, on est tous un peu des exilés. Et c'est un répertoire que j'aime beaucoup interpréter. Voilà. Dans vos musiques, il y a beaucoup de textes engagés. C'est important pour vous, l'engagement ? L'engagement, je pense que l'engagement est important pour tous les artistes. Moi, mon engagement, en fait, c'est de partager ce patrimoine musical qui est très riche avec la plus grande majorité, de le faire connaître, de partager le plaisir de la musique. Donc, je me proclame comme étant une artiste universelle. Et la musique, pour moi, est un moyen de passer au-dessus des religions, des races, à partir du moment où on partage de la musique, pour moi, on est au-dessus de tout, quoi. Et je mets la musique au-dessus de tout, justement, et l'art. Eh bien, on vous écoute, Linda. Merci. C'est à vous. Oui.
Akli Bebeli Chante, chante ma guitare Reni, reni, ale, bledi Aliha, mon âme s'égare Et mon cœur sombre dans l'ennui Le chemin qui nous sépare Tout à coup se raccourcit Quand l'esterpal de ma guitare Vient me parler d'Algérie de l'exil. Est-ce que tu peux nous en parler un peu justement et comment tu travailles ces musiques et ces cultures, parce que c'est ta culture, l'Algérie un peu. Alors, en fait, je vais déjà dire que c'est une culture qui est en moi, que je n'ai pas besoin de travailler. J'ai grandi avec ces sonorités. J'ai grandi dans les mariages où on dansait, on faisait la fête, avec un sens de la fête inné. Et donc, ça fait partie de moi. Ma grand-mère me chantait aussi des chansons. Elle aurait voulu être chanteuse, mais elle chantait un peu en cachette parce qu'à l'époque, ce n'était pas bien vu. Donc, elle a été un petit peu frustrée, mais dès qu'il y avait une fête, elle prenait la derbouka et elle était la première à chanter. Donc, j'ai appris ces chansons. Et c'est donc presque naturellement que j'ai toujours continué à chanter, d'abord pour mes amis,
J'ai même chanté pendant les gardes, parce que j'ai fait médecine, et que parfois on se retrouvait dans la chambre de garde, et il y avait toujours quelqu'un qui me demandait de chanter une petite chanson. Et donc, on se retrouvait dans la chambre de garde et on chantait. Donc, pour moi, ça a toujours été l'occasion de partager avec les gens que j'aimais des moments de plaisir, et de faire connaître un petit peu cette musique qui est méconnue, et de la faire connaître au plus grand nombre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va écouter, Linda ? On va écouter encore une chanson qui a été chantée par Lynn Monti, il me semble, qui s'appelle « Ana Lulia, je suis la femme ». Donc je te disais tout à l'heure, c'est une chanson, c'est une femme qui se plaint d'un amour un peu compliqué avec un homme qui l'aime et qui la fait souffrir en même temps. À l'amour. On va t'écouter. Yeah.
quelle musique vivante, hein, Linda, oh là là, encore qui danse, qui vibre, qui... Vive la vie. Ah, c'est formidable. Alors Linda, j'aimerais que tu me présentes tes musiciens. On a Hamzat Ferhat, qui est... percussionniste. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée par de merveilleux musiciens, tous très doués. Et, donc, et alors, quel est l'instrument que a Hamza? Une derbouka. Et c'est la percussion par excellence dans la musique arabo-andalouse, chabi, toutes ces musiques. Et alors, on a. Méditerranéenne. On a Mohamed Jouadi. Mohamed Jouadi. Il va parler de son mandol et il va expliquer ce que c'est un mandol. Mohamed. Est-ce que tu peux expliquer, Mohamed, pour les gens qui ne connaissent pas justement cet instrument? Mandol, c'est un instrument algérien, origine algérien. On joue le chabi, on joue la musique andalou, chabi andalou, c'est mandol. Donc c'est un instrument à 8 cordes. Qui est une variation de la guitare. Voilà. D'accord. Mais c'est pas une guitare, c'est pas une luth non plus, c'est un mandol. Ouais. Et c'est vraiment l'instrument aussi de prédilection de la musique chabi. Chabi. Voilà. On a aussi évidemment Metsoat Wadi qu'on a eu avec Bangril. Qu'on ne présente plus. Qu'on ne présente plus. Hein, et justement, Méziane, il joue au violon, mais une façon particulière. Hein, Méziane? Oui, tout à fait. Le violon, il y a deux façons de jouer. Là, actuellement, je joue parce que généralement, dans notre musique arabo-méditerranéenne andalouse, on joue parce que les chanteurs, généralement, on chante. Et quand on tue cette position, c'est pour chanter aussi. Sinon, la position classique universelle, on peut pas chanter. Voilà, c'est pour ça que nous, on joue. Donc, je rappelle juste que Méziane est chanteur, soliste aussi, et multi-instrumentiste. C'est une encyclopédie de la musique arabo-andalouse. Et nous avons aussi donc Zinedine Barry. Alors Zinedine, comment tu travailles justement cette musique avec... Le piano, c'est un instrument qui accompagne très bien cette musique, c'est-à-dire qu'elle apporte une certaine harmonie, certaines variations, un accompagnement qui est très... qui va remplir combler les vides. Comme un côté orchestre à un moment donné où il y a finalement ça. Voilà, tout à fait. Ça remplit. Voilà. Ça, ça donne de l'harmonie, ça donne des belles notes. Merci, merci beaucoup. Voilà. Alors, Linda, la troisième chanson, qu'est-ce qu'on va écouter? L'Bledge. Donc, c'est une chanson qui est très très ancienne en fait. Hein. Qui a été écrite par je ne sais pas voilà. Par un ancien c'est poète qui est de Béjaïa s'appelait Boalem Bozozo. Voilà. Et donc c'est une chanson qui a été reprise par de nombreux chanteurs et chanteuses. D'accord. Et qui fait vraiment partie du patrimoine arabo-andalou, on va dire. On t'écoute. Thank you.
Yeah.
Alors Linda, ce qui est incroyable aussi, c'est dans cette tradition où on voit aussi les musiciens qui font les chœurs. Hein. Oui. C'est, moi, je trouve ça fantastique. Oui. Hein, c'est formidable parce que justement, il y a cette énergie aussi qui porte avec eux. C'est une tradition, ça. Oui, c'est une tradition. Alors déjà, vous avez remarqué que dans la première chanson, dans Yarol Bati, et celle-là, il y a un petit moment de ce qu'on appelle l'istirbal. C'est un prélude, en oui, fait. Voilà. Tout à fait. Donc c'est un prélude qui est complètement différent de la chanson et qui introduit la chanson. Et ces préludes, ça fait partie aussi de la beauté de cette musique. Et puis la chorale se fait avec les musiciens. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est qu'on se regarde beaucoup. Oui, et il y a pas mal d'improvisation dans ce type de musique. C'est-à-dire qu'on peut... C'est pas écrit. Voilà. C'est pas une musique complètement réglée, complètement figée. Ça peut changer à n'importe quel moment. Et ça peut changer même en direct à un certain moment. Voilà. On se regarde et ils comprennent ce que je veux. Moi, je comprends ce qu'ils font. Et ça communique beaucoup par les instruments, en fait. Et je trouve ça génial. Formidable. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va écouter, Linda? Alors, on fait Lélélélé. Oui. Une chanson de Salim Lélélé. Qui a été également chantée et reprise par beaucoup de chanteurs, dont la Manon Negra. Je crois qu'ils l'ont reprise à leur manière, oui. Je crois qu'il y a une reprise un peu spéciale, du coup. Et moi, je vais essayer de l'interpréter façon Salim Lélélé, c'est l'original. Quoi. Ouais, on t'écoute. Voilà. Elle est
حبيبي زين ديالي سيدي حبيبي زين ديالي وسيادي فين نصيبو عيني عيني حبيب ديالي فين Merci beaucoup, Linda. Je remercie évidemment tous les musiciens.